Ok, je suis tellement mal à l'aise à quel point les gens ils me regardent. Que je suis plus capable. T'es-tu sérieux là? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est la Saint-Valentin. Ouais. La Saint-Valentin, c'est genre la journée la moins quétaine au monde. Genre, tu verras pas des petites et des roses partout. Ben non, mais non. Écoute là, la Saint-Valentin, c'est tellement pas quétaine. Tellement pas que je vais quasiment pas transformer mon décor en Saint-Valentin, genre dans 3, 2, 1, là. Bon. Ça, c'est mieux. En cette belle journée qui nous rappelle à nous, les célibataires, ben, je parle aux nous parce qu'on va s'entendre que je parle aux je, bien sûr, qui nous rappelle la journée où qu'on est forever alone, on va écouter des films quétaines en engraissant, en mangeant du chocolat, ben, pour ma part, ça va être des chips. Mais bon, non, cette vidéo-là s'adresse pas aux célibataires. Je pense que je peux disposer. Mais bon, tu sais, il y a des gens que le 14 février, ils ont quoi de prévu à la Saint-Valentin. Pas comme moi, mais bon. Je vais vous aider à avoir la date parfaite. Ouais. Oui, oui, oui. Je vous jure que si vous suivez mes conseils, votre date va être géniale. Fait que sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. J'adore. Et on s'y bol. Bon, mais là on va chez nous, let's go. Côté mode, première étape, on dit toujours que porter des beaux sous-vêtements fait qu'on a plus confiance en soi. Genre, ce style de sous-vêtements-là. Écoute, ici c'est très féminin, on voit que la coupe est très délicate, on voit surtout pas que c'est une bobette parachute. Écoute, c'est quasiment pas plus gros que ma face, ceci est un string urbain. C'était un string urbain. Je suis désolée, ok, mon beau décor Pinterest a complètement lâché. Donc, est-ce qu'on peut oublier ça et changer de concept? Mon deuxième conseil, ça serait d'avoir un outfit qui vous met à votre avantage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas que votre outfit vous dévoile trop de peau. Parce que trop de peau à la première date, c'est pas très bon. Puis, tu sais, il va avoir tout vu avant même de savoir que vous travaillez chez Davidci puis que vous tripez intense sur Ilsonet puis le EDM. Fait que pas trop de dévergondisation. C'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire, mais bon, on n'est pas dans l'émission Top Model sur TVA. Fait que faites un OOTD comme ça. Genre, c'est pas fait, c'est pas trop osé, ça dévoile pas trop, ça n'en dévoile un petit peu. C'est juste parfait, ok? Cette OOTD-là est juste parfait. Puis pour finir le look côté mode, ben il faut pas oublier les lunettes. Les fameuses lunettes Gucci. Là, on va passer à la dernière partie de notre fameux look glam, perfect, écoute, pour une date extraordinairement
on free. Côté maquillage, je vous conseille un fond de teint, deux teintes de plus que votre teinte de peau. Pourquoi? Ben parce que en 2017, les fake tan, les être bronzé, c'est ben à la mode. Fait que je me dis, pourquoi pas vous faire un bronzage maison, genre un DIY bronzage. On va prendre un fond de teint qui est deux teintes de plus. Fait que moi, j'ai le café au lait, puis habituellement, moi, j'ai la pinte de lait. Je me vois vraiment pas dans la caméra en ce moment. Fait que je sais pas qu'est-ce que c'est que ça donne, mais d'après moi, ça donne un look glamour. Le contouring. Ben oui, parce que tu sais, il faut en profiter avant que la graisse de fille monoparentale qui va avoir 3 enfants va embarquer par-dessus nos traits de visage qui sont encore très définis. Fait que c'est bien important de faire du contouring. En tout cas, par le contour du visage pour bien définir nos traits de face. Bon, ben une fois que notre face est beige comme le outfit de notre grand-mère Gisèle, ben là, on va venir ajouter un petit peu de pop dans notre face. Oui, oui, je parle bien sûr du blush. Puis tu sais, faut vraiment pas en mettre trop du blush parce que trop, c'est comme passé. One eternity later. La 5e étape, ou je sais plus trop quelle étape, c'est d'illuminer notre visage. En 2017, c'était bien la mode, genre les gens y abusaient pas pantoute du highlighter, tu sais. Et... Alright, so this is our base glow. Aïe, c'est quoi j'ai fait là, man? Fait que comme ça, c'est certain que vous allez vous faire cruiser, mais je dis bien cruiser, puis que votre date va être parfaite. Donc, si vous suivez tous ces conseils-là, c'est sûr à 100% que le 15 février, vous allez vous ramasser en couple. Bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié, puis que vous avez pas mal ri, parce que tu sais, on va s'entendre que cette vidéo-là, c'est apprendre à un 3e, mais même 4e degré. Mais bon, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut! Yeah.